Bonjour à tous, moi c'est François, vous êtes bien sur French Muscle. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va passer la journée avec le pick-up. Parce que ce soir, je vais tourner une petite vidéo avec un autre YouTuber qui a beaucoup plus d'abonnés que moi. Ça va être assez marrant, il va essayer le pick-up et je pense qu'il n'a pas l'habitude de conduire ce genre de véhicule. Donc on va voir ça, mais en attendant, je vais aller au boulot parce que voilà, c'est pas le tout, mais la journée ne se résume pas qu'à ça. Et du coup, je vais vous filmer un peu la journée et surtout ce soir avec l'essai. Avec cet autre youtubeur. Allez, c'est parti sur French Muscle. Les précédentes vidéos que j'ai fait sur le sujet, j'explique pourquoi est-ce que j'ai le projet de le vendre, quel projet j'ai éventuellement derrière, et puis j'ai fait une vidéo avec quelques informations sur le pick-up. Et n'hésitez pas à me contacter sur Facebook notamment si vous avez envie de plus d'informations, je reste à votre disposition. Mais en attendant, je continue à profiter du pick-up. Parce que ça reste un véhicule que j'aime beaucoup malgré le fait que je veuille le vendre. C'est un véhicule qui à la fois permet de rouler tranquillement, de transporter du matos, ça m'a pas mal servi ces derniers mois. Mais par contre le moteur est un peu préparé, alors malheureusement je ne saurais pas exactement vous dire ce qui a été fait dessus. Mais je pense qu'on peut assez facilement estimer la puissance entre 250 et 300 chevaux, ce qui fait que même avec son poids de 2 tonnes, quand on a une petite reprise comme là, ça permet d'avoir quand même un peu de peps. Bon, la plupart du temps c'est pas forcément ce que j'utilise parce que c'est pas la raison qui m'a fait acheter ce pick-up. Mais c'est toujours sympa de savoir que on peut appuyer un peu sur la pédale. Alors aujourd'hui, voilà, ce matin, comme je disais, je vais au boulot et on a un super lever de soleil. Je ne sais pas si en vidéo ça va pas vous gêner avec les reflets et tout, mais en tout cas, c'est très agréable de conduire par ce temps-là. Alors malheureusement. On parle déjà, mais l'automne et l'hiver approchent, alors ça va être plus difficile de faire des vidéos comme ça en début et en fin de journée. J'espère que je pourrai garder le rythme d'une vidéo par semaine. Je pense que cet hiver il y aura quand même une période de pause, mais en tout cas voilà les quelques infos à savoir sur le pick-up. Donc les prochaines vidéos, les précédentes pardon, vidéos à aller voir si vous avez envie de plus d'infos. Et moi je profite un peu de la conduite du pick-up. Ça y est, bien arrivé au boulot. On se retrouve ce midi dans 3, 2, 1. Allez, on profite de la pause de midi pour aller se balader.
vous regardez bien toutes mes vidéos, vous reconnaîtrez peut-être ce chemin où j'avais été me balader avec la Nova. C'est un endroit qui est plutôt pas mal là pour se balader tranquillement, et avec le pick-up on a vraiment l'impression d'être un peu aux États-Unis, en train de se rendre à un de ces élevages ou je ne sais quoi. En tout cas, voilà un peu ce que ça peut donner d'être au volant de ce pick-up. C'est vraiment très agréable à conduire, et puis on sent que on est dans une partie de l'histoire des États-Unis. Donc quand on est passionné comme nous, comme vous, de ces véhicules-là, c'est toujours très agréable. Bon, mais c'est pas le tout, mais il va falloir que je retourne au boulot faire l'après-midi. Et ce soir, on se retrouve pour la petite vidéo avec Fi67. Allez, à tout de suite. Allez hop, nous voilà quelques heures après. J'attends Fizz, donc le youtubeur avec qui on va faire la vidéo. Il doit arriver dans pas longtemps, et on va voir du coup ce qu'il a prévu pour sa vidéo sur le pick-up. Alors les freins, alors... Voilà. Pour se battre avec le véhicule. Il est chaud? Vas-y, tu peux y aller. Par contre, pour accélérer, mais faut savoir freiner aussi. Obstacle! Obstacle! Là, on est en centre-ville là, attends. Et là, tu vas voir un demi-tour sur un rond-point là-dessus. Ah! En plus, faut freiner parce qu'il y a un putain de camion là. T'es prêt? Vas-y. La gueule bien. Là, c'est génial. Ça, c'est l'Amérique. Wouhou! Et maintenant, faut freiner, j'avais oublié. Ouais, j'avais oublié. Et là, autant l'accélération ça marche, mais le freinage là, t'es. Voilà, on se retrouve avec Fi67 du Bros Garage. Salut. Qui vient d'essayer le pick-up. Alors je mettrai le lien en description de sa chaîne. Donc tu fais aussi des essais de véhicules, pas que US pour le coup. Ouais. Alors présente-nous un peu ta chaîne en deux mots. Alors moi, ma chaîne Fi67, c'est d'abord de la moto. Maintenant on a beaucoup évolué vers aussi de la voiture. Et avec donc le Bros Garage avec mes potes. Cam, Dimi et Capen, on partage en fait nos aventures, notre passion de la mécanique, de la bricole, un peu du galérien, maintenant c'est devenu un terme commun dans ce milieu-là. Mais voilà tout ce qu'on fait sur nos voitures. On a principalement des japonaises, mais on a aussi une Mercedes qu'on prépare en drift, on a des voitures de parking, on a une Pistarde aussi. On fait plein de choses. Il y a pas mal de contenus différents. Voilà, ouais. Il y a vraiment beaucoup de choses différentes. Ouais. Toujours axé principalement sur la voiture pour Bros Garage. Et Fizz, je fais un peu d'autres choses. D'accord, ok. Bon, je mettrai les liens, vous irez voir ça. Et puis, du coup, qu'est-ce que tu en as pensé là du petit essai du pick-up? Franchement, c'est pas dégueulasse. Non, franchement, c'est une expérience de ouf. C'était mon premier V8 américain. Le son, il est envoûtant. Ça a son charme quoi, ça a une odeur, même ouais. vous pouvez pas sentir, mais ça a vraiment une odeur sur ces bagnoles là. Et franchement, je suis super content, vraiment essai magnifique. Voilà, ouais. Bah écoute, merci à toi d'avoir pris contact, c'était carrément cool. Ça fait plaisir. Vous découvrirez la vidéo dans quelques temps, ouais. Je sais pas, ça se trouve, il y aura le lien, mais je sais pas quand est-ce qu'elle sortira. Je suis débordé tout le temps de vidéos, mais regardez dans la description, elle doit être là. Voilà, ouais, si vous avez des questions dans les commentaires, je peux répondre aussi ici. Voilà, en tout cas, vraiment merci de m'avoir reçu. Merci à toi aussi. Et puis je souhaite à ta chaîne de grandir, vraiment. Merci beaucoup. Là, tu mérites. Ça marche. Bon, voilà pour cette petite journée avec le pick-up. L'essai de Fi67 pour le Bros Garage. Moi, j'ai plus qu'à vous dire maintenant à bientôt sur French Muscle.